Ooh, yeah. C'est, oui, certainement. Bah, on peut pas dire ça de claptrap, enfin, plutôt de fractrap, attention, parce que c'est pas la même chose. Mais en tout cas, vous l'avez constaté, il a pas perdu de son humour. Et ça, c'est cool. Allez, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est... Ah bah, c'est Bibi. Et aujourd'hui, eh bien, ah bah, on se retrouve sur cette planète. Regardez comme c'est beau. Oh, une belle planète. Oh, y a une station, là, c'est quoi, mon Dieu? Oh, bah, on ne sait pas. Eh bien, on se retrouve non pas sur le 3e épisode de la série, on pourrait croire, hein, non, c'est un épisode qu'on peut considérer d'épisode annexe. Et il s'agit de Borderlands, The Pre-Sequel. Oh, yeah. The Pre-Sequel, eh ouais, attention, c'est un épisode, cette fois-ci, qui n'est dispo que sur PS3, 360 et PC. Non, pas de nouvelle version, entre guillemets, de Next Generation ou de New Generation, puisque là, en l'occurrence, parlons plus de New Generation. C'est un titre qui est, cette fois-ci, attention, développé par 2K Australia en très grande majorité. Alors, Gearbox a eu évidemment un droit de regard sur le jeu, hein, ça change pas comme d'habitude, heureusement. Mais c'est surtout 2K Australia qui s'est occupé vraiment du plus gros développement du jeu. C'est un jeu évidemment que Peggy conseille aux 18 et plus, il me semble, hein, 18 ou 16, je sais plus. Alors, ah bah attendez, on va regarder. Hop, je me déplace, je regarde ma boîte. Alors, ah bah 18 et plus, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Bah, au moins ça vous montre que c'est du direct, hein, ce que je fais. C'est un jeu donc action, aventure, avec toujours le principe de loot, etc. Ça change pas. Allez, voilà! Eh bah tiens, je vais te bouffer la tronche! Ouais, tu veux faire ça? Eh bah moi aussi je le fais, sauf que malheureusement... effet Bonaldi, ça n'a pas fonctionné. C'est génial! C'est génial, putain, c'est l'amour, c'est la vie, quoi. Non, mais c'est un jeu évidemment sorti donc le 17 octobre 2014. Et c'est un jeu... qui arrive, et on se demande pourquoi. Alors, pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison, en fait, que, on va le dire d'entrée de jeu, c'est un épisode qu'il faut considérer comme épisode annexe. Pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison, en fait, que cet épisode va raconter l'histoire qui s'est passée donc entre le 1 et le 2, notamment en ce qui concerne le fameux BoJack. Et on va comprendre d'ailleurs pourquoi il s'appelle le BoJack. Enfin, on comprend un peu mieux pourquoi, en fait, dans cet épisode. Mais on va surtout, en fait, suivre son évolution. Voir un petit peu, justement, ce qui va se passer. Pourquoi, comment en est-il arrivé là? Et en fait, cet épisode, comme vous l'avez compris, c'est pas un épisode numéroté. Et à juste titre, j'ai envie de dire. Puisqu'on va clairement parler d'épisode de transition. Pour la simple et bonne raison que c'est vraiment sa volonté. Je le considère finalement un petit peu comme un Batman Arkham Origins, un God of War Ascension ou un Gears of War Judgment. Ce sont vraiment en fait des épisodes qui sont là pour faire une espèce de transition, avec le futur véritable épisode. Même si en ce moment Gearbox ils sont plutôt entre guillemets, en ce moment occupés avec, je crois, si je ne m'abuse, Battleborn. Donc, à mon avis, Borderlands 3, c'est peut-être pas maintenant qu'on l'aura. Mais, malgré tout, je pense qu'on l'aura, ça c'est sûr. Et alors, donc, ils se sont dit, bon bah, pour faire patienter, on va vous donner cet épisode-là. Alors, la grande question, c'est de se dire, est-ce que cet épisode est justifié? Ou en tout cas, est-ce qu'il vraiment il reste toujours aussi bon? Ou est-ce qu'il reste quand même un peu moins bien que les autres? Bah, je vais vous dire ça tout de suite dans ce test, donc, de toute façon. Avec, déjà d'entrée de jeu, le lieu. Nous sommes sur une planète. Et là, vous le voyez, bah, il n'y a pas trop d'oxygène, hein, forcément. Enfin, vous pouvez en avoir de temps en temps en actionnant des stations spécifiques et définies. Mais il n'y a pas d'oxygène partout non plus. Donc, il faut savoir que cette planète s'appelle Elpis. Et là, j'ai envie de dire, hein, attention, j'espère qu'elle pisse droit dans le trou, hein. Voilà. Monsieur Lourdeau, bonjour. C'est moi. j'espère qu'elle pisse loin aussi, hein. C'est fait. Donc, vous pouvez faire plein de blagues avec Elpis, hein, Elpis en lit, Elpis rouge, enfin, tout ce genre de saloperie, il faut quand même le dire. Mais, donc, il faut savoir qu'en fait, dans cet endroit que l'on a, le gameplay va changer. Parce que forcément, pas de gravité particulière, pas d'apesanteur particulière ou une apesanteur aussi très spécifique. On va se retrouver finalement avec un jeu... Eh bien, qui va jouer là-dessus sur son gameplay et qui va accentuer, finalement, la verticalité des niveaux. Sauf que c'est surtout, non pas la verticalité du level design qui va vraiment changer, mais c'est surtout des combats. Oui, parce que c'est là où va être réellement la différence. Sauter, par exemple, lorsque vous serez
en dehors de l'oxygène, ou en tout cas en dehors de cet élément qui fait que vous avez cette espèce de gravité qui est présente, eh bien ça va jouer énormément parce que vous allez pouvoir faire des sauts beaucoup plus grands. Là par exemple, vous voyez, hop, je fais un saut qui est quand même beaucoup plus grand. Hop, j'en refais un, voilà ce que ça donne. Donc ça, ça va changer. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en appuyant après sur B, voilà, vous faites un espèce de coup comme ça vers le bas qui va permettre notamment de balancer bah, de la glace ou des trucs corrosifs, de feu ou quoi que ce soit, etc. etc. Ça, après, ça sera à vous de voir selon ce que vous allez équiper. Bonjour, monsieur l'agent, ça va ? Boum ! Une amende ! Et on conserve l'humour, ne vous inquiétez pas, l'humour est toujours aussi présent. Ça va aussi changer évidemment pas mal de choses, notamment sur tout ce qui est armes élémentaires. Pourquoi ? Parce que les armes élémentaires, mon cher Watson, c'est que ne pourront réellement être bonnes que lorsqu'on aura en fait finalement une espèce de vraiment ce côté oxygène qui sera présent. Pourquoi ? Parce que par exemple, pour enflammer les personnages, vous ne pourrez le faire que s'il y a de l'oxygène aux alentours. S'il n'y a pas d'oxygène, normal, le feu ne se déclenche pas. Voilà. Et là, vous pouvez voir DJ Rang et DJ Boom. Voilà, hein. Donc encore une fois, gros clin d'œil à Daft Punk, bien sûr. D'ailleurs, les musiques là-dedans sont quand même assez bonnes. Et c'est vrai que les clins d'œil, il y en a énormément dans le jeu. J'avais vu à un moment donné, je crois que c'était une mission. Alors attendez, il faut que je regarde tout en haut. Enfin, non, tout en bas plutôt. Parce que je crois que je l'ai faite en plus, cette mission. Parce que je veux vous le montrer, voilà. Un peu plus près des étoiles. Un peu plus près des étoiles. Eh, ça, c'est classe quand même. Et c'est pas tout. Il y a vraiment pas que ça, quoi. À un moment donné, c'est ça qui est énorme. Parce que vous avez forcément le pouvoir spécial de claptrap. Et le truc, c'est que à un moment donné, il fait oh yeah, hey, il y a Sheila. Sheila qui, Sheila danse des canards. Pfff. Et il fait pareil. Merde, du coup je l'ai activé, quel con. Oh punaise, bon bah c'est pas grave. Bon, du coup vous allez voir un petit peu. Je vous laisse écouter. Voilà, donc vous avez compris que on garde vraiment cet aspect-là qui est présent, plein de clins d'œil dans tous les sens et de l'humour à en revendre. Et ça, c'est cool. Heureusement, ça, ils l'ont gardé. Alors, petite chose assez sympa, vous pouvez broyer vos armes, en fait, dans cet épisode. Alors, c'est très simple. Vous avez toujours le principe de couleur sur les armes. Violet, bleu, doré, vert, etc., etc. Sauf que là, cette fois-ci, vous pouvez mettre, en fait, trois armes de couleur, par exemple, bleu, dans cette broyeuse. Et ça va donner quoi en fait ? Eh ben ça va donner en fait tout simplement une arme soit de même couleur, soit de couleur supérieure, notamment si vous mettez en fait des petits cristaux bleus que vous voyez là à droite, c'est marqué 34. Voilà, ça vous permettra d'avoir un petit bonus et espérer avoir finalement cet élément-là en plus dans votre jeu. Mais attention, attention, honnêtement, je la conseille pas trop en fait cette broyeuse, parce que en règle générale, à chaque fois que j'ai essayé en fait tout simplement de broyer une arme et d'essayer d'avoir finalement une arme relativement intéressante, j'ai toujours eu de la merde et j'ai toujours eu en fait finalement des armes beaucoup moins bien que ce que je récupère et ce que je ramasse, parce que le loot est toujours aussi présent dans le jeu, c'est normal et c'est tant mieux. Et honnêtement, c'est ce qui fait plaisir et je trouve que c'est ça aussi qui fait toute la différence, c'est que vraiment le loot, ah bah c'est pas comme Destiny où quand tu passes une heure de temps de jeu, t'as un loot. Non, là tu passes une heure de temps de jeu, t'as au moins 100 loot ou 200, hein. Alors là, ça n'a rien à voir, hein. Et encore, je n'exagère pas. Ah ouais, non, ça c'est clair que ça n'a rien à voir du tout. Mais bon, c'est ce qui a fait toujours de toute façon l'essence même du jeu et la force du jeu, c'est son principe là. Et on retrouve ça avec des armes toujours plus farfelues les unes que les autres, avec notamment bien sûr des modes de grenades spécifiques, des boucliers à récupérer qui seront bien sûr là aussi spécifiques, des armes laser en plus notamment qui vont être présentes, des armes entre guillemets, pas forcément à combustion, mais en tout cas qui vont jouer énormément aussi sur le principe élémentaire. Et ça, encore une fois, c'est très très bien. Et bim, voilà, ça c'est bon, t'as compris ça, ta douleur, petit con. Hey, une nouvelle apparence de joueur, ça c'est cool. Alors lui, je vais essayer de l'avoir. Le chasseur, là. Chasseur de l'arche. Non, c'est pas le chasseur de l'arche, évidemment.
Mais non, c'est vrai que c'est bien. On garde cet aspect-là. Là, vous voyez, il y a justement les petites zones où on a de l'oxygène, où on est à l'intérieur. Dès qu'on est à l'intérieur, hop, ça remonte en fait l'oxygène. Et du coup, on a, entre guillemets, une petite... un côté ascendant sur les combats, notamment. Mais vous dites, mais ce qui est bizarre, c'est que, certes, l'oxygène, mais pourquoi mon oxygène ne descend pas alors si je suis à l'extérieur de l'oxygène? Eh bien, parce que j'ai pris pour moi l'un des personnages les plus intéressants du jeu. Claptrap. Bah ouais. Enfin, en tout cas, Fragtrap. Pourquoi? Parce que... alors, vous avez le choix toujours au début entre quatre personnages. Ce sera à vous, bien sûr, de choisir lequel pour vous est le meilleur. Mais j'ai pris Claptrap, forcément, parce que franchement, je le trouve énorme. Ce personnage, il est excellent. Il embarque avec lui son humour omniprésent. Et je trouve que ça, c'est super cool. Ce que j'ai aimé également... c'est de retrouver en fait un système d'augmentation du personnage qui est somme toute relativement normal. Hein. On retrouve en fait la même chose, hein, les trois compartiments comme ça d'augmentation de personnage, sauf que là en fait ils ont mis en place... alors je pense qu'à mon avis ça ne doit pas être que spécifique au Claptrap, je pense que même les autres doivent l'avoir, ce qu'on appelle des sous-programmes. En fait les sous-programmes vont se mettre en place toutes les 100 secondes si je ne m'abuse, et en fait ils appellent ça des cumuls de frags. Ce sont des sous-programmes d'armes, d'armures et notamment d'armes élémentaires, pourquoi pas. C'est-à-dire que par exemple, vous avez, là en l'occurrence, vous voyez juste en bas, eh ben voilà, ah bah pff, magnifique, ça c'est apparu, ah, je l'ai pas fait exprès, hein, c'est apparu directement. Sous-programme fusil de précision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant donc 100 cumuls de frags, puisque c'est pas réellement vraiment 100 secondes, mais enfin vous avez compris, eh bien mon arme est plus puissante si j'utilise le fusil de précision. Et là vous le voyez, hein, 3000 de dégâts, c'est un truc de malade, hein, parce que j'utilise justement le fusil de précision. Et donc j'ai un bonus de dégâts en utilisant cette arme là par contre, attention, si vous utilisez une autre arme, ben vous avez un malus justement de pourcentage de puissance sur l'arme que vous allez utiliser si ce n'est pas l'arme adéquate. Voilà, donc c'est un coup à prendre. Et évidemment ça c'est un truc à vraiment à jouer avec, mais par exemple quand vous avez un surplus de bouclier et qu'on vous dit voilà, surplus de bouclier, vous passez de 1000 à 2000, enfin de 1000 à 2000, et bien là honnêtement c'est quand même vachement sympa. Donc du coup ça apporte un gros plus, ça apporte finalement ce petit côté technique qui va être présent. Pourquoi? Parce que certains boss sont vraiment showtime. Il y a un moment donné, alors c'est un boss, vous verrez, je pense qu'à mon avis vous allez aussi galérer, enfin surtout si vous avez l'habitude entre guillemets d'être assez bourrin. C'est un espèce de gros robot, vous verrez. Et le gros robot, mon dieu, il fait mal. Oh là 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 là. Alors c'est simple, hein, même si vous n'avez qu'un niveau de moins que le personnage ou le boss, vous allez morfler. Ils vont vous faire extrêmement mal et vous serez donc du coup obligé quand même de, on va dire, d'augmenter votre personnage. Il y a ce côté farm, hein, qui est présent, hein, où vous allez devoir faire les quêtes annexes, etc., etc. Il y en a plein, encore une fois, de quêtes annexes. Et on peut dire que là-dessus, ils ont encore fait du bon boulot. Même si, petit bémol, que ce soit dans les missions principales ou les missions annexes, je trouve quand même qu'elles sont moins bien travaillées. C'est notamment le cas, en fait, pour les missions principales. Je trouve que d'une manière générale, on aura pu avoir beaucoup mieux que ça. Et malheureusement, c'est pas le cas. En fait, c'est mi-figue, mi-raisin. On peut avoir de très bonnes choses comme on peut avoir de très mauvaises choses. Et ça, c'est, à mon sens, c'est ce qui me déçoit le plus. Là, vous l'avez vu, hein. Là, pas d'oxygène, pas de gravité, rien du tout. Et bien là, du coup, en fait, les compartiments de munitions et tout explosent. Ça, c'est cool aussi. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et de récupérer les munitions beaucoup plus rapidement. Donc ouais, petit bémol, c'est ça. C'est en l'occurrence vraiment ce manque de folie vraiment dans les missions. Les personnages, entre guillemets, secondaires sont présents. Rajoute un petit plus quand même là-dessus. Mais c'est quoi ça? C'est Anna. Ah bah ouais, tuer les pillards. Ah bah c'est justement la messagère. Ouais, on va faire la mission. Ouais. Alors c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu, mais on va le faire quand même. J'ai sorti mon peupon. Boum. Voilà, je t'ai sauvé, Anna. Je referai pas cette blague de merde. Non, je ne le referai pas. S'il vous plaît, monsieur. Ce n'est pas moi. Autre point qui m'a un petit peu déçu. C'est le manque de variété des niveaux. En tout cas, manque de variété, encore une fois, manque de folie des niveaux.
Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'aurais vraiment aimé, par exemple, qu'il y ait plus d'environnements différents, voire même à la limite, certes, on est sur la planète Elpis, j'aurais bien aimé justement que les planètes soient un petit peu plus différentes, ou en tout cas, les environnements soient différents. Malheureusement, c'est pas le cas, tu vois. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. J'ai trouvé que c'est ce qui manquait un petit peu aussi au jeu. Là où Borderlands 1 et 2 déjà proposaient énormément de niveaux, de sections et de sous-sections, en fait, dans les niveaux. Là, je trouve que c'est relativement gentil. Et voilà. Mais il n'y a rien de fabuleux. Voilà. Ne vous attendez pas à quelque chose de fabuleux en ce qui concerne réellement le level design général du jeu qui, je trouve, est assez facile. Voilà, il est assez facile, malheureusement, ils n'ont pas été plus loin. C'est un peu dommage. Alors, concrètement, j'ai terminé aussi le jeu en à peu près 20 heures de jeu. Alors pareil, je me suis pas pressé pour faire la quête principale, puisqu'en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, faut pas vous presser, faut quand même faire des quêtes annexes pour au moins leveler un maximum. Et ça, c'est pour moi le point le plus important. Bon, je vais vous montrer un autre niveau, les chutes de Pity peut-être. Je ne sais pas, je sais plus du tout ce que c'est. Ah, attention, tu risques de spoil dans les niveaux. Hein. On sait jamais. Hein. Mais bon, je veux quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et vous montrer encore une fois, surtout les niveaux. Quoi. Et ouais, 20 heures de jeu, comme ça, c'est bien. 20 heures de jeu, ça va. Surtout que là, encore une fois, maintenant, après avoir terminé le jeu, bon, c'est comme d'hab, hein, t'as plein la blinde de quêtes annexes à réaliser. Là, à un moment donné, on me propose une quête annexe niveau 28 et voilà, je dois refaire quelque chose. Je ne dis pas quoi parce que sinon c'est gros spoil. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Il y a quand même de quoi faire. Après, on garde quand même toujours ce côté répétitif, hein, qui est toujours présent malgré tout dans tout Borderlands et qu'on retrouve ici un peu plus. Je trouve même que dans les anciens, parce qu'encore une fois, il y a ce sentiment finalement de même dans la manière de faire les niveaux. Un peu plus lourdingue, tu vois. Ça, c'est peut-être aussi le bas qui blesse. Voilà, mais bon. Vous allez quand même avoir du temps de jeu derrière. Et ça, c'est cool. Allez, tiens, bam. Ah, oh, t'es explosé, hein, ma couille. Oh, putain. Oh, bah lui, du coup, il s'envole. Allez, emballe-toi. Lui, j'essaie de buter. Alors, normalement, avec un fusil à pompe, faut pas le faire, hein, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, boum. Tu as explosé. Ichbum. Voilà, alors les petites pierres lunaires, n'hésitez pas à les récupérer, parce que les pierres lunaires vont vous permettre notamment de pouvoir en fait augmenter le nombre maximum de votre sac pour pouvoir récupérer donc les objets. Ça vous permet notamment de récupérer des upgrades pour augmenter la capacité donc au max de votre fusil à pompe, fusil sniper, fusil d'assaut, etc., etc. Ça, pas de changement particulier, vous l'avez compris. Allez, on balance le chasseur de l'arche.exe. Alors, et là, c'est quoi cette fois-ci? Ouais, carrément, sbire trap. Voilà, donc là, il se transforme en fait en espèce de tourelle. Ça, c'est un des meilleurs, hein, honnêtement. Mais attention, hein, vous pouvez avoir des malus. Hein. Genre, par exemple, un petit malus, qui est pas terrible non plus, mais petit malus quand même. Vous pouvez en fait rebondir sur un canard. Voilà, un canard en plastique qui va vous faire rebondir dessus, mais qui va renvoyer les munitions. C'est bien, hein, ça va encore. C'est plutôt cool. Non, voilà, durée de vie bonne, mais peut-être un peu plus répétitif sur la longueur pour celui qui a déjà fait le 1 et le 2. Voilà. Ça, c'est le point le plus important que je voulais mettre en avant ici. Bonne bande son en règle générale aussi, avec un bon travail en termes sonores. Et là, j'ai même été étonné, j'ai appris que c'était Jesper Kidd. Alors, je me souviens plus si Jesper Kidd avait fait déjà les anciennes bandes son. Essayez de me confirmer ça. Je ne sais plus, hein. Honnêtement, je ne sais plus du tout. Ah merde, je peux pas... Je peux pas me téléporter. Ah si, bah là, je me suis dit, merde, je suis arrivé comment ici? Je vais vous montrer... Alors, attention, spoil. Parce que là, je vous montre Hyperion, forcément. De toute façon, je l'avais déjà dit que c'était du spoil. Et non, c'est vrai que les musiques sont bonnes. Encore une fois, beaucoup de musiques d'ambiance, mais qui vont se faire vraiment entendre au bon moment. C'est pas plus mal. Mais surtout, encore une fois, bon plaisir en termes d'impact, impact sonore, etc. Et ça, c'est très bien. Et les voix françaises sont cool. Voilà, bon, ça reste relativement, encore une fois, classique. Mais ça fait son petit effet. Voilà, ça fait son petit effet malgré tout. La VF, je trouve, est quand même réussie. Qu'est-ce que tu veux, toi? Eh ben. Et oui, j'étais en train justement de parler pour moi du gameplay un petit peu vertical du jeu. Et j'avais oublié de parler justement de l'oxygène. Parce que l'oxygène est quand même très important dans le jeu. Pourquoi? Parce que c'est, à mon sens,
ce qui fait tout le nerf de la guerre. Faut savoir en l'occurrence que, en prenant Claptrap, vous n'êtes pas sujet à l'oxygène et la perte d'oxygène. C'est normal, vous n'êtes pas humain, forcément vous êtes un robot, donc votre oxygène, vous voyez qui est en bas à gauche à 159, bah moi il descend jamais. Pourquoi il descend jamais? Parce que n'utilise pas d'oxygène pour respirer. Par contre, pour faire des doubles sauts, pour faire des, on va dire, des sursauts dans le saut, là par contre, oui, là par contre, là, ça utilise de l'oxygène. Mais concrètement, c'est tout ce que j'utilise avec Claptrap. Donc pour moi, c'est clair que c'est le personnage le plus intéressant à faire dans le jeu. Mais le fait d'utiliser l'oxygène, le fait d'utiliser finalement comme ça cette espèce de sursaut dans le saut, cette espèce de double jump, bah, je trouve que ça apporte vraiment ce qu'il faut en termes de gameplay. C'est ce qui fait, à mon sens, ce qui fait de plus intéressant dans le jeu et qui fait que vous allez vous intéresser au jeu. Voilà, maintenant, c'est clair que enlever ce système... Bah, on se retrouve finalement avec quelque chose qui est, entre guillemets, relativement banal. Voilà. Pas de grosses nouveautés non plus à proprement parler. Pas vraiment de gros trucs comme ça ou quoi que ce soit. Pas non plus d'énormes nouveautés de gameplay. Non, ça reste très classique. Une fois de plus, ça reste très classique malgré tout. Voilà. Je récupère ce qu'il faut. Voilà. Voilà, voilà, c'est bon. Merci, monsieur, dame. Allez, on va aller les voir là-bas. La grenade, c'est parti. Attention, grenade téléguidée qui va faire mal. Vas-y, vas-y. Déclenche-toi quand tu veux, j'allais dire. Hein, parce que, bon, merde. Quoi. Allez, c'est parti. Alors, pareil, techniquement, ne vous attendez pas non plus à Monts et Merveilles. C'est beau. C'est beau. C'est plein d'effets visuels. Donc là, on est sur la version PC. Il faut quand même l'avouer que quand on met les effets à fond, bah, il y a plein d'éclats comme ça, de particules, d'explosions, de glace, d'éléments corrosifs, etc. Enfin, c'est jouissif, hein. Honnêtement, c'est jouissif. Et ça reste relativement optimisé. J'ai vu un petit peu la version console tournée. Bonne optimisation, règle générale. Hein. Bon, rappelez-vous de Borderlands 2. Pas de changement particulier. Le boulot, il est là. Le boulot, il est fait. Et c'est le principal. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le seul truc que je lui reproche, c'est ce manque de folie dans le level design général. Voilà. Et le manque de niveau en particulier comparé à Borderlands 1 ou 2. Voilà. C'est vraiment le seul truc que je peux lui reprocher dans ce côté, on va dire, plus esthétique. Plus dans le côté level design, puisque après le reste, voilà, c'est beau, c'est agréable, c'est grand. C'est quand même assez grand. C'est assez libre d'action, libre de mouvement, notamment. C'est surtout ça le plus important. Non, là-dessus, Touquet Australia, je trouve, a fait le job. Le job est fait, c'est ce qu'on lui demandait, c'est ce qu'on voulait, et c'est ce que l'on a eu. Voilà. Alors, ce qui est dommage, alors, je sais pas si c'est voulu depuis, mais je me souviens que dans Borderlands 1, quand on tirait une balle dans la tête d'un ennemi, elle explosait, même avec un flingue. Là, je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, même avec des flingues, on peut plus faire péter les têtes. Je crois que dans Borderlands 2, déjà, c'était le cas. Là, j'ai essayé même de trouver dans les options, j'ai pas trouvé, donc dites-moi, en fait, si c'est quelque chose qu'ils ont enlevé. Alors, parfois, ils vont exploser, hein, attention, je dis pas, hein. Parfois, on va les voir exploser au niveau du corps ou quoi que ce soit. Ça, il n'y a pas de problème. Mais... parfois, avec la tête ou le sniper, mais parfois, ils explosent pas. Voilà, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais dites-moi. Ou si c'est un bug, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé cet élément-là, ce qui est assez dommage. Allez, dernier environnement que je vous montre, avec notamment, ici, les Kragons. Qui, eux aussi, sont quand même vachement puissants, faut faire gaffe. Enfin, surtout quand ils sont en surnombre. Et quand vous n'avez pas le niveau, surtout, hein, encore une fois. Mais là, une fois de plus, il y a plein de cailloux partout, c'est un truc de malade. Et ouais, voilà, écoutez, bah, pas de quoi vous dire. J'ai rien d'autre à vous dire de plus sur le jeu. Pour moi, vous avez vu le principal. C'est vraiment ce que vous voyez là, c'est ce qui vous attend dans Borderlands et pre-sequel. Donc, évidemment, moi, je vous conseille quand même, c'est d'y jouer en coopération. Parce que, alors, tout seul, c'est bien. Encore une fois, attention, tout seul, c'est bien. C'est là, encore une fois, la vraie différence avec Destiny. Destiny, tout seul, on se fait chier. Borderlands, tout seul, ça va. On arrive quand même à prendre du plaisir. Voilà, tout simplement. Mais, bien sûr, en coop, c'est mieux. Bien sûr que c'est mieux. Ça, c'est sûr et certain. Mais, maintenant, la grande question, c'est de se dire, mais est-ce que cet épisode est indispensable? Est-ce que ça mérite véritablement l'achat au prix fort? Moi, je vais être franc avec vous. Non. Bien sûr que non. Là, il y a Pipo. Il y a Pipo Mantis. Et il y a Pipo... Pipo Inzaghi. Mon Dieu. Et j'espère qu'il va pas nous mentir, qu'il va pas nous jouer du Pipo. Ah, puis là, vous avez vu, c'est marqué Galet Kragon.
Et j'ai envie de dire, bah, j'espère que c'est le roi. Comme ça, il va pouvoir nous préparer une galette des rois. Ah là là, mon Dieu. Oui, c'est chiant, hein. Je vous avoue, c'est chiant, hein, mon Dieu. Mais j'aime bien, je suis désolé. Désolé pour vos oreilles. Non, voilà, en tout cas, c'est un épisode que j'ai trouvé sympa à faire, clairement. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je peux pas le conseiller au prix fort, parce qu'il faut savoir qu'il a 50€, en règle générale, si vous cherchez bien, 50€ sur PS3 360, un peu moins aussi sur PC, et si vous cherchez très très bien, vous pouvez le trouver à pas cher. Moi, personnellement, je l'ai pris sur Amazon, Amadobe. Non, je l'ai pris sur Amazon, donc à 30€, à l'époque, il était en précommande à 30€, mais c'est le prix, ça ne vaut pas plus, voilà, de 30€. J'irais à la limite entre 20 et 30€, oui, d'accord, mais après, non. Le reste, non, ne le prenez pas plus cher, parce que ça ne vaut pas plus de 30€. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de surprise particulière. Le gameplay est certes bon, mais c'est pas non plus une folie furieuse. Ils n'ont pas non plus rajouté énormément de nouveautés. L'IA, c'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus. Ils n'ont pas non plus fait de gros boulot là-dessus. Enfin, voilà. Clairement, fondamentalement, ce jeu n'est pas un indispensable. Parce que même en termes de scénario, c'est pas là où vous allez apprendre le plus de choses. Oui, vous apprenez sur le BoJack, mais bon, c'est pas des révélations de malade. Hein. Encore une fois, ce ne sont pas des révélations de malade. Le jeu fait dans le classicisme absolu, mais il le fait bien. Voilà, c'est Batman Arkham Origins, c'est God of War Ascension, c'est Gears of War Judgment. Un épisode de transition qui n'apporte rien de fabuleux, mais suffisamment pour attirer l'œil du fan. Mais c'est tout, ça s'arrête là. En l'occurrence, je ne le conseille pas au prix fort, mais c'est clair que je vous conseille quand même de le faire un jour, parce que il reste malgré tout relativement bon à faire. Ça, c'est une évidence. Si j'ai passé plus de 20 heures dessus, c'est que le jeu m'a véritablement plu. Sinon, je vous aurais dit, non, c'est de la merde, je trouve ça nul à chier, et puis basta. Non, sinon, bien sûr, je vous aurais dit, ne le faites pas. En l'occurrence, c'est clair que je me suis quand même éclaté. Voilà, je me suis quand même amusé. J'ai retrouvé mes marques, en fait. Et à partir du moment où j'ai retrouvé mes marques, et en voyant un petit peu tout ça, bah, je me suis dit, bah, ils ont fait quand même le boulot. Mais c'est... Voilà, je suis franc. Ça sent quand même pas mal la fainéantise. Voilà, ça sent quand même pas mal la fainéantise. Ou en tout cas, la facilité. Voilà, c'est de la facilité. C'est l'épisode facile par excellence. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit test, hein, encore une fois, pas de quoi sauver les foules, mais au moins je vous ai donné mon petit avis sur Borderlands pre-sequel, et je vous dis donc à bientôt, portez-vous bien, et vive les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde, et à la prochaine, ciao ciao!